Salut à tous, c'est Cartman SP, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le quatrième épisode de la série Tune Ma Caisse version Xbox One. Donc comme je vous ai dit je fais 2-3 épisodes, j'espace de 2-3 jours les épisodes, si vous préférez, parce que je préfère tout simplement. Donc aujourd'hui, l'épisode 4, on m'a proposé de. Enfin, on m'a proposé pour cet épisode 4 de personnaliser deux anciens véhicules, dont la Roosevelt et la Z-Type, que je vais tout de suite acheter sur internet. Voilà. Donc là, on est déjà au quatrième épisode, comme vous pouvez voir, ça passe assez vite. Je préfère un épisode par jour, mais j'ai pas trop envie de faire un épisode par jour parce que ça. Ouais, ça me saoulera un petit peu, donc je vais prendre la Z-Type, elle coûte quand même 10 millions. Ouais, c'est pas grave, on va la prendre. De toute façon, après, j'ai des autres persos hein, pour si j'ai plus assez d'argent avec Michael. Donc j'ai quand même niqué 10 millions là. C'est pas grave. De toute façon, j'ai encore les autres persos si j'ai plus d'argent avec Michael, comme je disais. Donc en tout cas, les amis, si vous voyez que. Enfin, si. Pour entendre que je suis un. Enfin, je parle un peu. Moins fort parce qu'en fait là j'habite, comme si vous ne savez pas, j'habite dans un appartement. Et en fait il y a un locataire qui habite juste en face de chez moi. Donc j'essaye de parler pas trop fort, donc voilà. Donc voici la Z-Type, elle est franchement très belle. Franchement bon choix hein, pour cet épisode 4. Donc au passage, si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu les trois premiers épisodes, je mettrai une petite annotation sur la vidéo, comme ça vous pourrez aller les voir si vous les avez pas vus, tout simplement. Et je vois que cette série là elle vous plaît plutôt pas mal, donc Los Santos, elle vous plaît plutôt pas mal puisque le premier épisode je suis à 150 vues, deuxième je suis à 130 et le troisième je vais arriver à 100 vues. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a une série qui marche sur ma chaîne. C'est sûr que c'est pas la série qui a marché. Je fais pas des vues comme Tune Ma Caisse version PS3, mais c'est quand même bien, on va dire. Après, je demande pas de faire des 5000 vues, moi je demande juste que mes vidéos soient regardées par mes abonnés et que j'ai un certain nombre de vues sur mes vidéos pour pas dire que je fais des vidéos pour personne, parce que voilà, ça serait un peu dommage. Si je me ramasse 20 vues par vidéo, vous vous doutez que c'est une source de motivation. Donc c'est une Truffaut Z-Type, c'est une sportive classique. Donc pour cette voiture là, on va rester assez sobre, parce que bon, la voiture comme ça, faut pas trop en faire. Donc blindage, un petit blindage, blindage à 100%, c'est bon. Frein, on va mettre vraiment de la merde en frein, on va mettre des freins de course, même si ça change rien du tout. Le moteur, alors en moteur, on va mettre un petit moteur niveau 4. Parce que vous pouvez voir que quand même elle a quand même de la patate cette Z-Type. La calandre, alors on a une calandre, double calandre à maille ou calandre à maille. Je préfère celle-là. Ouais, je préfère celle-là. Alors phare, on va mettre accessoire de phare. Ouais, ça me paraît. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ça fait genre des yeux, c'est pas mal. Capot ventilé, ouais. C'est bon. Klaxon, non, j'en mets jamais de klaxon, comme vous savez. Éclairage, on va mettre des phares xénon. On va pas mettre de kit néon parce que c'est affreux, ou sinon, ce genre de voiture. Bon, on va mettre du jaune, ouais, du jaune sur noir. Pour la peinture, je vais regarder ce qu'il y a en chrome, c'est dégueulasse. En classique, on va voir ce qu'il y a. Ah non, elle est affreuse comme ça. On va mettre rouge. Tiens, elle est pas mal. Rouge, et on va mettre un petit noir. Noir basique. Ouais, elle est plutôt pas mal comme ça. Comme je vous disais, je vais pas en faire trop pour ce véhicule là. Parce que c'est un véhicule qui est déjà assez ancien. Et si j'en fais trop, ça sera pas terrible. Donc, bas de caisse custom, ça fait toujours mieux. Transmission. Alors là, la petite transmise à 13 000. Okay. Turbo, bon, à mettre le à fond. Donc, alors un bon turbo cette Z-Type. Alors les roues je crois c'est des, on va mettre des belles
des belles jantes sport. Les Dash VIP, les Dash VIP plutôt, ça le fait plutôt pas mal. Couleur des jantes, on va partir sur du. Sur du rouge, tiens, ça me paraît plutôt beau. Pneus, on va mettre des custom, à l'épreuve des balles. Ouais, ça c'est bon. Les fenêtres, on va mettre en limousine, ça c'est bon. Donc voilà pour cette Z-Type. Je pouvais pas la personnaliser plus à fond, mais là je trouve elle est vraiment très très belle. Bon, je vais. On va voir qu'elle a quand même un gros moteur. Hein. Vous entendez bien le moteur qui est là. Ils sont pas listés. Donc la musique de merde, on va tout simplement la couper. Donc dans ma liste d'amis, je vois beaucoup de gens qui jouent à GTA pour les braquages. Donc ça fait bizarre. Avant, hein. C'était plus sur Call of. Enfin bref, on va pas s'attarder sur ce sujet. Donc comme je vous disais, elle a un super beau moteur, franchement. Je l'entends vraiment bien, même si j'ai le casque de commentary, enfin mon casque de commentary sur les oreilles. Et franchement, elle est franchement bien pour une ancienne caisse. Après, je l'ai améliorée, mais de base, déjà, elle est quand même puissante. Donc j'aime bien, on entend bien le moteur, c'est pas mal. Donc voici pour cette Z-Type. Donc on va tout de suite prendre la Roosevelt qu'on m'a demandé. Donc là actuellement je fais la vidéo le mercredi soir. Il est presque minuit. Mais je l'uploaderai demain. Là après je vais faire le rendu. Je l'uploaderai demain après-midi, c'est-à-dire vendredi sur ma chaîne. Parce que là après ou sinon là je pourrais pas jouer. Et ça va un peu me faire chier, donc je l'uploaderai demain après-midi. Comme ça, vous serez contents, les amis. Donc, Legendary Motorsport, c'est parti. La Roosevelt, elle est pas là. Donc, la Roosevelt, je sais même pas si elle est dans le jeu. Enfin, si on m'a dit qu'elle était dans le jeu, c'est qu'elle y est. Ouais, j'espère qu'elle y est, franchement. Roosevelt. Roosevelt. Non, là, je la vois pas. Attends, on va changer. On va aller sur Legendary Motorsport, peut-être qu'ils l'ont. Ouais. Ah non, ils ont pas la Roosevelt, les gars. Je la vois pas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la Stinger 1 million. C'est aussi une voiture ancienne. Je vais la prendre parce que bon, il y a pas la Roosevelt, donc je peux pas la créer, moi, la Roosevelt, tout simplement. Désolé, hein, désolé pour ceux qui voulaient la voir custom, mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Et je crois que c'est celle-là en fait. Non, c'est pas celle-là. Alors, on va aller chercher la Stinger. Bah, désolé pour ceux qui voulaient voir la Roosevelt, comme je disais, mais elle y est pas, les gars. Donc, c'est un peu tout chaud. Bah, c'est pas grave, hein. Ça reste une ancienne voiture, et puis voilà quoi. Et j'aime bien le style de la voiture, ça fait un peu style voiture James Bond, etc. C'est plutôt... pour moi j'aime bien franchement. C'est plutôt pas mal. Une petite voiture comme ça, ça fait plaisir à conduire. Il casse les couilles à appeler lui. Alors c'est parti. Donc là pour l'instant je fais bah, la série sur... comment ça s'appelle? Sur GTA V, la série est une maquette. Et ah bah entre chaque épisode, enfin entre chaque épisode, j'essaierai de vous faire quelques vidéos sur le jeu, enfin sur Advanced Warfare parce que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de gameplay. Donc je vous en ferai quelques-unes. Donc dites-moi ce que vous voulez voir sur Advanced Warfare comme gameplay, dans quel mode de jeu, avec quelle arme, etc. Et je vous le ferai tout simplement. Donc j'aime bien le moteur, ça fait un peu penser à une voiture que je connais quand j'accélère.
Elle me plaît bien cette Stinger, les amis. Donc c'est une grotty Stinger, c'est une classe sportive classique, j'allais dire super sportive. Donc blindage. Bon, un petit blindage à 25 000, ça fait pas de mal. Alors hein, en frein, les freins c'est vraiment de la merde. On va mettre des freins de course de toute façon. Moteur, moteur niveau 4. Ok. Éclairage, on va mettre des phares au xénon. C'est quand même un peu plus joli, hein, vous me direz. Les plaques jaune sur noir comme d'habitude. La peinture, alors là il n'y a qu'une couleur à mettre. On va la mettre en... Ouais, je sais pas comment quoi la mettre là les gars. Franchement je sais pas. Jaune racing, tiens, j'en ai jamais mis. Je trouve que c'est plutôt pas mal, je trouve. Suspension. Ouais, suspension à mettre, des suspensions de compète. Transmission. Ouais, transmission de course, tout simplement. Turbo. Tuning turbo. Roues. Alors les roues, on va mettre des haut de gamme toujours. Je vais regarder un peu ce qu'il y a. On va mettre les GT Chrome, tiens, ils sont pas mal. Couleur des jantes. On va mettre en rouge, même si on voit presque rien. Accessoires de roue, les pneus custom, non, l'épreuve des balles. Et on va mettre la fumée de pneus jaunes pour assortir la couleur du véhicule. Et puis voilà. Bah, j'ai pas pu la customiser énormément, mais je trouve que la couleur, les jantes, je l'ai rabaissée, elle est plutôt stylée, je trouve. Donc. J'aime bien le moteur, franchement, le moteur il fait kiffer. Donc on va tout de suite aller à chez moi et puis on se quittera les amis, désolé hein. Mais bon, c'est comme ça la vie. Bref, je suis vraiment con, j'ai vraiment des conneries moi des fois. Donc sur la dernière vidéo que j'ai postée, la vidéo spéciale FAQ, il y en a qui sont, à mon avis, il y en a qui sont qui ont cru que j'avais 1500 abonnés, mais non en fait les gars, je fais une annonce pour ma FAQ en fait, pour dire que je vais faire une FAQ 1500 abonnés et que je voudrais bien avoir des... Enfin, simplement que je fais une FAQ. Hein, et que vous pouvez poser vos questions, tout simplement. J'ai envoyé des gens GG et tout. Je dis, ouais, GG de quoi? J'ai pas mis ça sur un bout. J'ai pas compris. Bah bref, c'est pas grave. Ah franchement, elle est magnifique cette bagnole-là. Elle est magnifique. Moi, franchement, j'adore. Donc voilà, les amis. Bah, l'épisode 4 de Tune Ma Caisse est terminé. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira autant que les autres. Autant que le premier, deuxième et troisième. De toute façon, je mettrai une annotation sur la vidéo pour les personnes qui n'ont pas vu les trois premiers épisodes. J'espère que cette vidéo, épisode 4, vous plaira. Si c'est le cas, bah, tu peux t'abonner. Ça coûte rien, ça fait plaisir. Ça m'encourage. Tu peux laisser un like, c'est super plaisant. Ça me motive et ça me prouve que ça vous plaît, tout simplement. Et pourquoi pas commenter, n'oubliez pas de commenter pour l'épisode 5, pour me dire quel véhicule vous voulez que je fasse. N'oubliez pas, je customise deux véhicules par épisode, tout simplement. Donc voilà, allez, salut à tous, c'était Cartman SP.